pas d'essayer d'interpréter souvent les interprétations de vos arts. Je me disais, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que ça veut dire que les bons pas de son? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a dans ma façade, que je suis moins connu, mon édition, qui était mon professeur de la peinture, et j'avais posé la question, qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Fillon, là? Qu'est-ce que c'est écrit? Il m'a dit, d'ailleurs, je ne l'ai jamais trouvé ailleurs. C'est la nature, ça peut être les arts, les formes qu'on entend, les personnes, tout ce qui fait l'environnement, tout ce qui fait la vie. C'est la nature devant nous, à laquelle on est sensible. On est sensible, on la reçoit, et on la redonne par le biais de son imagination. C'est la nature passée par l'être. Alors, si on fait un arbre, on est trois par un arbre, on va créer le même arbre, on va avoir trois arbres différents. C'est un peu comme si la nature était rouge, nous, on est jaune, on donne un produit orangé. Il n'y a pas de vérité dans l'art, il n'y a pas de dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Non, c'est chacun a sa vérité dans l'art, chacun a sa façon de créer. Et moi, je sais, quand je commençais à créer des personnages en papier, bon, il y en a qui sont sur les tuques, sur les tuques, sur papier, mais c'était ma forme à moi. Ça, c'est la forme, c'est le médium, c'est pas ça qui est la créativité même, mais ça prend une matière pour pouvoir m'exprimer la créativité. Alors, c'est de cette façon-là. Et les personnages, c'est peut-être ça, c'est de cette manière. J'avais aussi quelques personnages que j'allais faire, je vais vous montrer une structure de base. Vous allez avoir des papiers plus raffinés pour les chercher. Qu'est-ce que c'est que vous aimeriez exprimer pour ce personnage? Ça ne peut pas faire, faisons une princesse, pourquoi là, ou un roi, peut-être un roi tranquilliste, historiquement. Moi, vous le voyez, qu'est-ce que c'est? C'est quoi là? Vous aimeriez passer dans ce personnage. Beaucoup plus important qu'une photographie du personnage. Est-ce que c'est clair? Vous êtes un sérieux. Après, vous savez, vous avez vu le papier. Avant, vous avez un petit cahier devant vous. Mettez-le dans vos mains sans le porter. Et quand vous mettez dans vos mains sans le porter, vous essayez de plier d'un côté, essayez de l'autre. Sentez-vous qu'un côté qui est lésé, vous avez un côté qui obéit. Le côté qui obéit, c'est le côté masculin. C'est-à-dire que les gestes, c'est féminin. Il est mal placé pour parler de ça. Alors, si je plie du côté qui obéit, là j'ai un pli propre. Et si je plie du côté qui résiste, c'est un pli cassé. Ça fait très bon des fois, mais aussi, si par exemple, j'ai un animal à faire. L'animal du côté qui obéit, je peux juste faire. On retourne à mon cercle. Alors, je fais plus que ça. Vous voyez aussi, mon animal est fait comme ça, et si je le mets sur la table, l'animal, il va faire ça. Mais si je fais du côté qui est côté qui ne se dit pas, je fais le même animal. C'est la même chose si on peut lever le papier dans son plat ici. Là, je me suis dit, j'ai pas besoin d'en placer, c'est toutes les choses que vous savez, mais. Bon, alors si je fais un peu de papier qui est dans le sens de papier ou qui n'est pas dans le sens, pas dans le sens de papier, mais quand je glisse, moi, je prends toujours aussi ça. C'est la liste de mes éducations, c'est la liste de mes éducations. Donc, je fais ça comme ça. Je me disais, mais si je glisse dans le sens de papier, ça fait beaucoup mieux. Mais des fois, il n'y a pas le choix. Là. Des fois, on revient une deuxième fois. Ça va faire plaisir. Ça dépend pour plaisir de voir ça. Alors, on plus dans ce sens-là. Est-ce que c'est clair? Ça se passe toujours dans notre page. C'est juste
personnel, vous voulez dire, quand elle est faite. Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est quoi le sens du papier? Le sens du papier qui obéit. Le sens, le contre sens. Si on regarde le sens, c'est le sens du papier. OK. Si on regarde comme le sens. Ah oui, d'accord. Le mot qui est rééquilibré. OK. Que vous sentez vraiment? Oui. 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 Tu sens tu? Moi, je t'ai dit. Le pied est comme ça. Du nez. Tantôt, je vais vous montrer d'ailleurs quand on sera dans la figure. Et vous, si je fais ça ici, ça sera beaucoup plus propre à ce moment-là. Comme ça ici. Nous, ici, on aurait des plus épaisseurs. Si tu as deux pieds pour faire un pied plus large, ça, ça dépend du personnel. Mais ça, c'est en train de personnel d'aller voir quand même. Vous avez d'autres questions, vous, la tête? Ouais. Je me demandais le sens du papier. Est-ce que c'est lorsque le papier est fabriqué, il y a comme une trame, un peu comme le papier journal qu'on fait? Oui, c'est ça. C'est la façon qui est fabriquée. Tous les papiers ont un sens. De façon qui est fabriquée, comme le tissu a un sens. Oui? Est-ce que vous avez montré tout à l'heure quand on venait vous êtes papier? Vous n'avez pas peur que le papier déchire? Des fois, moi, ça m'est déjà resté dans... Ça m'est déjà... peut-être parce que je ne le faisais pas bien, mais le papier déchirait. Oh, ça déchire aussi. Le papier construction, c'est le papier qui est fait avec c'est le papier de moins qualité. Il n'y a pas de fait avec les couleurs, des fois, sont plus belles. Et des fois, il y a des faits de construction qui déchirent plus facilement que d'autres. Ça dépend du lot de papier construction. Il faut déchirer sur ce papier-là. Le papier ne peut pas faire travailler, c'est l'idéal pour les enfants aussi, mais ce n'est pas un papier de qualité. Alors, il y a une feuille, dans le même paquet, on va avoir une feuille qui va déchirer. Tout ça, ça m'arrive souvent. Je chiale un peu. Bon, on va nettoyer. Là, vous allez bien chercher, on va faire le costume de sort. Dans l'autre personnage, je vais vous montrer la partie de personnage. La part de contre-toi, je vais essayer d'aller à la fin. Le jour qu'on va faire, c'est le grand robe. Alors ici, c'est la robe. Et là, on peut la mettre une autre couleur. Elle va avoir des papiers de qualité après pour le décorer. Et pour la base, qu'est-ce que c'est? Ça, ça va être le coup, la figure. Alors, il faudrait aller chercher deux feuilles de couleur de vue pour la robe et une feuille pour le cou et la tête. Alors, ça fait trois feuilles, deux feuilles de même couleur et une troisième feuille de même couleur. Ça va? Oui. Prenez pas les feuilles pour voir qu'elles deviennent quelque chose. Ça, ça s'entend bien.